Alors j'ai commencé à rapper il y a maintenant 10 ans. J'ai été bercé par les musiques hip-hop, par toutes sortes de musiques, mais surtout par le rap et rap hip-hop. Et je me suis dit voilà, c'est à mon tour d'essayer. J'ai commencé sur un coup de tête et voilà, ça fait maintenant 10 ans que je suis dedans. Parce que les cours de flûte, ça coûtait peut-être trop cher. C'est un art qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde, qu'on ait les moyens ou pas. Il n'y a pas d'instrument spécifique lié au rap. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas besoin de prendre de cours. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. C'est le rap que j'écoutais tous les jours, continuellement. Donc forcément, c'est là-dedans que je suis tombé. Alors une bibliothèque, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque l'obligation. Parce que voilà, c'est malheureux, mais les seules fois où j'étais à la bibliothèque, c'est quand on m'a obligé d'y aller. Enfin voilà, non, les bibliothèques, ça m'évoque l'accès au savoir, à la connaissance, la concentration. Oui, ça peut être une arme. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a comme arme plus dangereuse dans le monde. On a tendance toujours à éviter les personnes qui ont beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir. On a tendance même à éviter de parler avec elles, de débattre avec elles. Donc je pense que oui, comme plus grosse arme actuelle dans le monde, c'est les mots. Donc voilà. Je pense que c'est un texte qui transmet un message. Qu'il soit bon ou mauvais, je pense qu'après c'est au public de juger qu'est-ce qui est bon et mauvais pour lui. Chaque personne qui écoute, chaque auditeur est responsable de ce qu'il écoute. Mais c'est avant tout un texte qui transmet un message. Alors, qu'est-ce qui me pousse à écrire dans la vie de tous les jours? Justement, la vie de tous les jours, c'est ce qui me pousse à écrire, tout simplement. Pour ceux qui en vivent, non, c'est pas dur. Pour ceux qui n'en vivent pas, c'est très difficile. Donc, je pense que ceux qui disent qu'ils vivent du rap, et qui galèrent tous les jours, etc., n'en vivent pas du tout. Et c'est ceux qu'on voit le plus à l'écran et qu'on entend le plus qui vivent réellement du rap. Voilà, il faut charbonner tous les jours pour vivre du rap et c'est là la clé. Un bon rappeur va faire les choses selon la tendance. Alors qu'un excellent rappeur va se démarquer et faire les choses selon comme lui pense et c'est les autres qui vont le suivre justement. Donc un excellent rappeur est un meneur, c'est celui qui fait la tendance et non celui qui suit la tendance. Voilà, donc viens participer à ce concours si tu as entre 14 et 25 ans et que le thème du savoir, de la bibliothèque, de la connaissance t'inspire. Écris ton meilleur texte et viens participer à ce concours, tu ne le regretteras pas.